Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un point. On va faire un point sur le jardin. On va commencer tout de suite par la serre. Et quand il y aura une accalmie du temps, parce qu'en ce moment dans le nord c'est pluie, température vraiment pas folle. Donc tout a du mal à pousser. Et ce week-end c'était repiquage des tomates. Et on va faire un peu le tour. Rapide de la serre aussi. Alors on commence tout de suite par les poireaux. Vous vous rappelez la vidéo des poireaux d'été? Bon, aujourd'hui on est le 22 ou le 23, je sais plus, on est le 23 avril 2023. Dans 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, vers le 15 mai, on les repiquera au jardin. Voilà. On a repiqué les aubergines, des tomates, semis de courge. Concombre, potiron, potimarron, courgette, différentes couleurs. Et tout ce qu'on voit ici sous les arceaux et ici, repiquage de tomates. Là, c'est les premiers poivrons et aubergines. On voit bien que les deuxièmes les ont rattrapés. Et du céleri. Voilà. Donc, bon. J'ai fait un peu plus tard que l'année dernière, pensant qu'on allait avoir les mêmes des températures un peu plus chaudes, et tout compte fait c'est que je suis un peu en retard, environ d'une dizaine de jours. En tout il y a à peu près 1000 plants, et vous voyez il en reste, j'ai fait juste ce qui était nécessaire. Alors pour moi, pour les amis, pour les collègues, la famille, tout ça. Voilà. Donc il y a à peu près tout cumulé dans la serre, il y a 1000 plants. Comme on peut voir, j'ai rangé, j'ai bougé un peu de bordel pour qu'il y ait plus de place. La deuxième serre, il y a les poules dedans, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Voilà. Je tiens également à remercier à tous les gens qui se sont abonnés. On a passé les 1000 abonnés. La chaîne a 5 ans. Bon, pour une chaîne de 5 ans, c'est pas beaucoup. Et quand on regarde, 85% des personnes qui regardent les vidéos sont pas des abonnés. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, on essaiera de me faire monter la chaîne un peu. Voilà. Donc on va continuer maintenant. Dès que la pluie se calme, je sais pas si on entend avec le téléphone la pluie sur la serre, faire le tour des deux jardins, celui de la maison et l'autre jardin que je vous ai présenté il y a quelques vidéos. Voilà. Alors nous voilà au deuxième jardin. On peut voir que les échalotes, le parc d'échalotes est super beau. Voilà, 4 routes. Bon, et sur le parc, il doit en manquer 2 ou 3 seulement qu'ils n'ont pas poussé, mais c'est vraiment magnifique là, malgré la pluie et qu'il fasse pas chaud. Mais à côté, on voit, il y a les poireaux qui lèvent, semés le 19 mars. Il lève, hein. Il faudra un peu plus de chaleur. Au milieu, une route de salade qui commence tout juste à lever. Je vais recommencer parce que les premières n'avaient pas levé. Route de radis, quelques salades. Et en dessous, c'est carottes qui ne lèvent pas encore, je pense. On va regarder, j'ai mis la voile. Une petite ici. Mais... Ouais, non, je ne sais même pas si c'est une carotte. Alors, on va essayer de mieux voir. Ouais, il y en a une par-ci par-là qui pousse, mais c'est pas folichon. Donc on va attendre encore un peu. C'est grand, le terrain est super grand, il fait que pleuvoir. Bon, le terrain est prêt pour les autres cultures. Ici on a 10 routes de patates. Bon, c'est des petites buttes, mais je vais refaire les buttes là prochainement. Dès qu'ils vont commencer à sortir, je vais... Ah bah ça commence. Là ici, non, c'est pas ça. Dès qu'elles commenceront à sortir, je vais les rebuter à nouveau. Okay. Et là, le côté pour les courges, il me reste un peu de fumier à étaler, à mettre de la bâche, il faut que je trouve de la bâche. Et ensuite, il me reste des pommes de terre à mettre ici, aussi à la maison, je vais en mettre. Alors, tout, il y aura 400 plantes patates, pommes de terre, voilà. Nous revoilà au jardin de la maison.
Bon, il n'y a pas grand-chose. J'ai sorti le plant de chou. Bon, il est toujours pas terrible, il est un peu poussé. On peut comparer à la dernière vidéo, mais ouais, on verra ce qu'on repique pas. Là, j'ai fait une expérience. C'était le petit châssis qu'il y avait dans la serre. J'ai mis le 3 caisses de plants de tomates qui me restaient. On verra si ça tient ou pas. Voilà. Les petits pois que j'ai repiqués. Bon. Il y avait deux variétés. J'avais eu un échantillon gratuit de pois, de petits pois, la variété cache. Bon, ils font 30 cm et ils sont déjà en fleurs. Bon, je suis pas tellement fan, hein. Donc, on va rester sur la variété Douce Provence l'année prochaine. Va falloir que je retire le filet parce qu'il commence à se prendre dedans. L'année dernière, j'étais embêté. Alors, bon, j'ai mis un grillage sur les choux pour éviter qu'ils se fassent attaquer par les pigeons. Là, un parc de choux, du chou cabu et chou rouge qui se sont fait aussi attaquer par les pigeons, on peut voir. Alors voilà un chou attaqué par un pigeon. Donc malgré le rubalise, la ficelle, tout ça. Donc, bon. Si ça continue, je mettrai un filet aussi. Voilà, bon, on a un petit aparté, les canards émeraudes et les bernaches d'Hawaï. Voilà. Bon. Et ici, bon, ça s'est tombé. Hop. Et ici, une planche d'échalotes, trois routes. Donc, ils ont été mis un mois après ceux qu'on vient de voir à l'autre parcelle. Voilà. Donc ici, il y a eu un coup de motoculteur mis. Je vais y mettre bah, des pommes de terre. Je vais mettre peut-être ils mettent une caisse de pommes de terre et des courges, tout ça, des tomates, un peu de tomates, un peu de courge, un peu de tomates. Voilà. Donc bah c'est tout pour cette vidéo. Hein. On a fait un peu le tour de tous les cultures. Bon, il y a les petits fruits puis les fruitiers. Bon, rien d'extraordinaire. En ce moment, tout est en fleurs. Il faudrait juste un peu de chaleur et de soleil. Voilà, et moins d'eau. Donc je vous dis à bientôt. Dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!